Tout d'abord, je souhaiterais vous parler de. Tout d'abord, je souhaiterais vous parler de. Tout d'abord, je souhaiterais vous parler du plan de mon exposé. En premier lieu, je vais vous présenter. En premier lieu, je vais vous présenter. En premier lieu, je vais vous présenter. En premier lieu, je vais vous présenter le plan de mon exposé. Pour commencer, je vais vous présenter. Pour commencer, je vais vous présenter. Pour commencer, je vais vous présenter. Pour commencer, je vais vous présenter le plan de mon exposé. Avant tout, je vais vous parler d'eux. Avant tout, je vais vous parler d'eux. Avant tout, je vais vous parler d'eux. Avant tout, je vais vous parler du plan de mon exposé. Je vais commencer par vous parler d'eux. Je vais commencer par vous parler d'eux. Je vais commencer par vous parler d'eux. Je vais commencer par vous parler du plan de mon exposé. En second lieu, j'aborderai. En second lieu, j'aborderai. En second lieu, j'aborderai. En second lieu, j'aborderai la question de la personnalité du personnage principal. Dans un second temps, je développerai. Dans un second temps, je développerai. Dans un second temps, je développerai. Dans un second temps, je développerai le thème de la personnalité du personnage principal. Ensuite, je vais vous parler d'eux. Ensuite, je vais vous parler d'eux. Ensuite, je vais vous parler d'eux. Ensuite, je vais vous parler de la personnalité du personnage principal. Pour continuer, je vais vous parler d'eux. Pour continuer, je vais vous parler d'eux. Pour continuer, je vais vous parler d'eux. Pour continuer, je vais vous parler de la personnalité du personnage principal.
Il est également important d'aborder. Il est également important d'aborder. Il est également important d'aborder. Il est également important d'aborder la question de la personnalité du personnage principal. D'autre part, il est important de souligner. D'autre part, il est important de souligner. D'autre part, il est important de souligner. D'autre part, il est important de souligner que le personnage principal est un homme timide. De même, il est essentiel de préciser que. De même, il est essentiel de préciser que. De même, il est essentiel de préciser que. De même, il est essentiel de préciser que le personnage principal est un homme timide. C'est le cœur de l'histoire. C'est le cœur de l'histoire. C'est le cœur de l'histoire. L'amitié qui lie les deux personnages est le cœur de l'histoire. Pour toutes ces raisons, il est important de retenir que. Pour toutes ces raisons, il est important de retenir que. Pour toutes ces raisons, il est important de retenir que. Pour toutes ces raisons, il est important de retenir que l'amitié des deux personnages est l'élément central de l'histoire. En définitive. En définitive. En définitive. En définitive, l'amitié qui lie les deux personnages est l'élément le plus important de l'histoire. Pour conclure, il apparaît important de souligner que. Pour conclure, il apparaît important de souligner que. Pour conclure, il apparaît important de souligner que. Pour conclure, il apparaît important de souligner que malgré sa timidité, le personnage principal va réussir à se lier d'amitié avec son voisin. En résumé, je dirais que. En résumé, je dirais que. En résumé, je dirais que. En résumé, je dirais que le personnage principal a réussi à surmonter sa timidité pour se lier d'amitié avec son voisin. En fin de compte, je pense que. En fin de compte, je pense que. En fin de compte, je pense que.
En fin de compte, je pense qu'en surmontant sa timidité, le personnage principal a réussi à se lier d'amitié avec son voisin.